Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasman, on est parti pour une vidéo partie de Sonic Adventure 2 Battle. On est rendu à la partie 5. Donc là on est parti pour faire... Attends, je vais baisser mon son. On est parti pour faire... pour faire le niveau de Knuckles. C'est très difficile, hein. Vous vous souvenez quand on a fait avec Rouge là, c'était galère. Bon, il est plus facile celui de Knuckles, je me souviens. Donc on va un peu moins galérer. Même si ce n'est pas encore partie remise et je pense qu'on va quand même mettre 10 minutes. C'est donc un peu difficile. Ah bah... Il y a déjà... ça clignote déjà. Ah bah tiens, bah, il est juste là. Bon, franchement là c'était pas difficile. Hein. Même pas une minute! Ah mais quel talent! Ah bah tiens, et en plus il y en a une autre là, par là. Oh bah! Qu'est-ce qu'elle fait là cette émeraude? Il y a une émeraude qui est... Ah, un morceau de l'émeraude qui était juste là. Même pas besoin du compteur. Enfin du radar plutôt. Bref, d'accord. C'était hyper simple. Alors là, non mais franchement, ça m'est jamais arrivé ça. En 1 minute 30, j'ai... Ah, c'est obligé. Ah, ça commence bien cette vidéo. Très très bien. Alors on va combattre Rouge. Parce qu'on l'avait déjà combattu, enfin on avait fait le contraire avant, c'était contre Knuckles. Ça va pas être difficile, hein. Vous avez vu dans la partie d'avant, enfin, je sais plus si je me suis bien démerdé ou pas, mais... Bon, c'est pas un boss bien dur. Je vais d'abord me mettre là, pour récupérer des anneaux, parce que sans anneaux, c'est plus compliqué. Bon, j'ai déjà touché deux fois. Ah, et aussi, elle se protège, comme vous pouvez le voir. Je me suis fait toucher, je sais pas comment. Et j'espère que je vais pas crever comme une merde. Bon, elle est où là? Si je la trouve pas, elle va me lancer des attaques. Et ça, j'aime pas trop. Bon, on va monter. Ah bah d'accord, elle était juste là. Elle était juste par là, là. Je crois l'avoir vue. Bon, on tourne un peu les caméras. Ok, en fait on n'arrive même pas à retrouver le boss, c'est énorme. Où est le boss? Est-ce qu'on peut grimper vraiment tout en haut? Je pense pas. Nous avons perdu le boss. C'est super. Ah, peut-être qu'il est par là. Oula purée, c'est quoi ce freestyle? Freestyle caméra? C'est sans doute la caméra qui était en train de suivre le boss, donc voilà. Le boss qui descendait, ça faisait freestyle total. Le boss peut prendre aussi des anneaux. Parce que je vous l'avais déjà dit avant. Ça lui sert à rien, il regagne pas de la vie. Ben voilà. Le plus dur contre ce boss là, c'est de le retrouver en fait. Même pas attaqué une seule fois. Enfin, m'a pas fait ses attaques ultimes.
voyez ce que je veux dire. Des attaques qu'on peut faire que en mode deux joueurs. Voilà, ils sont en train de se chamailler, exactement pareil que dans l'autre l'autre partie. Et voilà, on sauve Rouge. Bon, c'est à peu près la même chose, vous voyez. Bon, je passe pas quand même, parce que bon, j'avais prévu de vraiment vous montrer l'intégralité. Il y a quelques changements, peut-être, des fois. J'ai pas trop fait gaffe. Moi ouais, je crois que ça dure plus longtemps là, la queue de scène. Ah ou peut-être pas. Il y avait ça aussi. Bon voilà, il a reconstitué l'émeraude mère, enfin la Master Émeraude. Donc Knuckles est tout content et en tant qu'Echidna, voilà, il va encore garder l'émeraude mère, parce que c'est un gardien. C'est bon, elle fait un petit sourire. Une grande histoire d'amour entre eux. Bah c'était ça en plus dans, dans Sonic X. N'importe quoi, Rouge qui est tombée amoureuse de Knuckles. À chaque fois qu'ils se voyaient, ils étaient à moitié embarrassés. Enfin un niveau avec Sonic quand même. C'est... J'attendais que ça. Voilà, vous voyez là, c'est un nouveau, une nouvelle particularité qu'il y a dans ce niveau, c'est qu'on peut s'accrocher sur des bah, on peut faire la tyrolienne tout simplement. Attention aux ennemis. Bon, je vous dis tout de suite, dans les Sonic, dans les niveaux de Sonic, je ne traîne pas trop. Je ferai peut-être un fail un jour ou l'autre là. Parce qu'on est quand même rendu loin, donc le niveau n'est pas. Ok, ok, c'est super. Je voulais pas faire. En fait, j'ai appuyé sur le bouton B, je voulais juste faire la roulade et sauter ensuite pour me faire les ennemis. Mais au lieu de ça, il a foncé sur les anneaux, donc voilà, j'ai fait. Moi, ça c'est le problème dans le gameplay un peu. J'arrive pas à avoir la bombe. La bombe qui détruit tous les ennemis à l'écran, ou presque. Voilà, normalement, on avait une phase de recherche à moitié pour trouver la nouvelle capacité que j'ai déjà, c'est-à-dire faire une roulade enflammée. Parce que c'était ici, si je me souviens bien, oui, qu'on avait la roulade, qu'on venait d'avoir la roulade enflammée. Voilà, faut surtout pas prendre la flèche du bas. Sinon on tombe comme une vraie merde. Enfin, comme une pierre, surtout. Ah, vous voyez, puisque... Si, j'aurais peut-être pu me rattraper et me mettre ici, sur l'espèce de rail. Attention aux ennemis électrifiés, c'est pas mon ménage ça. Voilà, une nouvelle sorte d'ennemi là encore. Comme quoi le bestiaire est assez étoffé. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir dans les Sonic, enfin dans, en tout cas dans Sonic Unleashed par exemple, on voit tout le temps des robots quoi. Purée, je me suis complètement viandé, mais c'est pas grave. Si j'avais pas la capacité de la boule vers le bas, bah j'aurais peut-être réussi de foncer sur les anneaux. Bon, vu que des fois il y a des capacités qui nous gênent. Là, je fais à moitié du freestyle.
voulais pas attaquer l'autre de gauche, mais c'est pas grave. Ah non, c'est ici qu'on devait avoir le truc pour péter ses caisses. Parce qu'on pouvait pas péter les caisses. Je pense que c'est des caisses métalliques. On pouvait pas péter les caisses métalliques sans ce pouvoir. Faire la roulade enflammée. Donc c'est fort pratique pour avancer dans l'aventure. Et puis bah, c'est aussi bien plus puissant. Avec ça, on peut avoir des ennemis assez facilement. Alors qu'avant, avec une simple roulade, ça ne marchait pas tout le temps. Voilà, ça explose de partout. Je comprends plus rien. J'y arrive pas. En fait, le homing attack, il se base sur... sur les ennemis de base. C'était assez compliqué de l'avoir. Voilà, un peu de tyrolienne, c'est toujours sympathique. Voilà, bah, y avait un ennemi doré, mais bon, je m'en fous un peu, c'est juste pour avoir plus de points. Mais pourtant, je l'ai eu celui-là. Ces ennemis-là sont vraiment relous, par contre. Parce qu'ils tirent assez vite. Des fois, on croit qu'on les a, mais... Et on s'est viandé. Voilà, ça, c'était une sale bonus à moitié, parce que normalement la plupart tombent. Mais bon, c'est pas si facile que ça d'arriver jusqu'ici. Ah d'accord, oui, c'était bel et bien évidemment une sale bonus parce qu'on a le truc KO, mais je m'en fous un peu. Ah, ici ça devient un peu plus compliqué, vous allez voir. On va beaucoup jouer avec la gravité. Souvent dans les derniers niveaux des Sonic, souvent à l'époque c'était c'était les niveaux à gravité. Hein. Bah, là pour le coup c'est le premier niveau à gravité de Sonic en 3D je pense. Enfin si, il faisait aussi office de niveau à gravité, vous savez le niveau quand on était sur le vaisseau là, le Eggman là, je sais plus trop quoi là. Le vaisseau d'Eggman dans Sonic Adventure DX. Ah purée non. C'est passé exactement la même chose la première fois que je suis passé ici. Je me suis viandé ici, je me souviens. Ce niveau là je l'ai pas fait énormément de fois parce que il n'y est pas dans le mode de joueur. Dans le mode de joueur, on peut vraiment faire presque ça prend pas tous les niveaux, mais ça prend presque tous les niveaux du jeu. Dommage qu'il n'y ait pas celui-là. Il aurait pu être bien, mais c'est, je sais peut-être pourquoi il est pas là, parce qu'on n'a pas, on peut pas avoir toutes les capacités. Par exemple, on n'a pas la capacité de la roulade enflammée quand on joue à deux. Donc bah ils auraient pu juste changer ils auraient dû les changer en caisse en bois. Juste ça. Ils ont fait ça dans certains niveaux. Bon, faut un peu de concentration parce que c'est pas si facile que ça ce niveau. Parce que c'est un Sonic que c'est facile. Même si les Sonic actuels maintenant sont plutôt assez simples. Enfin, les Sonic 3D n'ont jamais été des jeux quand même bien compliqués. Enfin, même quand j'y pense, les Sonic Advance également, puisque vu qu'on avait les sauvegardes. Donc, j'ai pas trop aimé Sonic and Knuckles, hein, j'ai fait sur l'émulateur. Le Sonic 3, tout simplement. Les niveaux, je les trouvais un peu pourris en fait. Peut-être que pour l'époque c'était bien, hein, mais ils sont à moitié un labyrinthique et puis j'aime pas trop, on est obligé de pas aller trop vite. Alors que par contre, j'ai fait Sonic the Hedgehog 1 et 2 et ils sont bien mieux. Surtout le 2, qui est vraiment exceptionnel pour l'époque. D'accord. Mais en même temps, en perdant deux fois dans le niveau, c'est vrai qu'on va pas se ramasser une bonne note.
Et après je dis que je vais vite dans les niveaux Sonic. Et ben je vais vous montrer le skill que j'ai dans la dernière partie du jeu. Ouais, quand les ennemis cèdent entre amis. Entre les gentils. Les gentils tout ronron, l'équipe héros. Oh, attention là, Amy qui est pris en otage. Ah, mais qu'est-ce que veut Dr. Eggman? Bien sûr, je pense que c'est la Chaos Emerald. Mais sauf que c'est une fausse Chaos Emerald, mais Dr. Eggman ne le sait pas. Ouais, et puis vous allez voir, bon, je pense que la plupart le savent. Oula, Amy elle a eu un petit bug des yeux là. Les deux pupilles étaient ensemble. C'est assez bizarre. Je sais pas si vous verrez ça, mais... Ah bah voilà. Je pense que la plupart le savent, hein. Sonic se fait piéger par Dr. Eggman. Mon dieu, cette révélation si soudaine. C'est la première fois que Dr. Eggman va peut-être gagner. Ah mais comme par hasard, vu qu'il allait à Chaos Emerald avec lui, Sonic, et bah il va être sauvé. Là bah il comme par hasard. Je crois que je l'avais déjà dit quand on faisait l'équipe d'arc. Elle fait exactement le même cri que quand elle tombe, elle. Et puisqu'on peut jouer avec Camille en mode 2 joueurs. Bon voilà, là on va voir en direct alors qu'avec Shadow on pouvait pas voir. Là on va voir comment Sonic va se tirer de là. Enfin, bon, au début on peut croire qu'il a explosé. Qu'il est perdu dans l'espace. Mon dieu, c'est triste. Pour Dr. Eggman maintenant. Purée, je vais galérer. En plus, j'ai plus que 2 vies. Je le sens pas. Ce boss là, j'ai toujours eu du mal. Parce que c'est vraiment. T'as de la chance ou t'as pas de chance en fait. C'est ça. S'il fait son rayon de la mort, t'es mort. C'est une attaque inesquivable, franchement. Je vois pas comment l'esquiver. Voilà, je sens qu'il va la faire, purée. Ah, quoique, oh là là, la chance. Il s'est pris le. En fait, il s'est pris le. Le bidon. Oh purée. Oh chance man. C'était pas la même chose quand j'avais Dr. Eggman et que je combattais Tails. C'est une autre paire de manches là. Là, c'est vraiment parce que j'ai eu de la chance quand il a fait son rayon. Parce que quand il a fait son rayon, il s'est pris en même temps la bombe à côté. Donc j'ai pu esquiver facilement après. C'est vraiment de la chance, ça m'est jamais arrivé. Peut-être parce que je suis un chanceux aujourd'hui, je sens que j'ai de la chance aujourd'hui. Non seulement avec le niveau de Knuckles fini en 1 minute 30. Incroyable. Et ainsi que le niveau. Ainsi que le boss là. Et puis le niveau de Sonic, je me suis, on va dire, pas mal démerdé. Même s'il me reste que, plus que 2 vies, mais bon, ça sert à rien les vies. Non, juste un petit game over comme ça. Franchement, ça sert à rien les vies dans un jeu de sauvegarde. Jamais bien compris à quoi ça sert. Enfin, quoique, oui, c'est pour les checkpoints dans les niveaux. Pour repopper à des checkpoints. Sinon, si on a plus de vie, après, on est obligé de refaire le niveau, mais bon. C'est... Bah quand même, les vies... Bah c'est pas trop utile. Surtout qu'on en ramasse pas mal, même si encore là, il m'en reste que 2. Je sais pas pourquoi. Parce que j'ai fait le grand n'importe quoi. Voilà, je pouvais prendre le risque et de tomber. Là, vous voyez, il y avait un rail en dessous. Mais bon, c'est assez difficile de manœuvrer, donc
manœuvrer le saut de Sonic, donc je préfère plutôt aller normalement. Et oui, je sais, je fais mon peureux, mais c'est pas grave. Je veux pas prendre de risque, que prendre du risque et de perdre plein de fois comme dans le niveau de Shadow, je me souviens. Vous avez vu, on peut faire des petites acrobaties. Quand on voit des croix vertes. Je sprint. Et voilà, là, la particularité de ce niveau, c'est surtout parce qu'on va être beaucoup sur des rails. Il n'est pas facile, faut faire gaffe. Pas parce qu'on est sur des rails que c'est facile. Sur un autre pote là, le gros lard. Je déteste ses ennemis, franchement. Bon, voilà, pour l'instant, je me débrouille pas mal. Pourtant, ce niveau-là est quand même plus dur que les niveaux précédents. Mais il est moins long, je crois. Un peu moins long. Ah putain, mais. Oh. Ok. Ça, c'est le problème de caméra. Ah, on s'en remet toujours pas, ça. J'ai fait un espèce de bug. Mais. C'est incroyable cette vitesse. Ouais, c'est quoi ça? Oh mais. Loul. Attends, mais c'est pas possible, à chaque fois que je capture, il y a des bugs. Et quand je capture pas, et bah, comme par hasard, le jeu il bug pas. Je comprends pas. C'est comme pour Beyond Good and Evil, il y avait un bug à un moment qui est jamais arrivé, par exemple, quand il y avait le vaisseau qui pouvait pas. Qui était bloqué par un rocher. Ou un mur, je sais plus trop quoi. Enfin, bloqué par une île, par un rocher. Et donc. Et donc c'était un peu con, c'est jamais arrivé ce bug là. Et là aussi le bug avec Sonic qui passe au travers de la plateforme. C'est très étrange. Peut-être que mon boîtier d'acquisition fait bugger la console, hein, j'en sais rien. C'est pas possible, hein, si c'est vrai. C'est vraiment bizarre. Bah là j'ai un peu. Non, j'ai pas terriblement réussi mon saut, mais bon, ça va. C'est le style de Sonic. Voilà, fallait aller très vite pour pouvoir monter là-haut. Oula, purée. J'ai failli tomber, parce qu'en plus, quand il est comme ça, il risque facilement de tomber si on saute. Si on appuie sur le bouton A vite fait. Fini, donc faut faire vraiment gaffe des fois. Moi, je me souviens très bien de ce passage, on survole un peu. Sinon je pense pour Sonic Heroes, je pense que je vous ferai aussi des parties, oui, de Sonic Heroes probablement. Bon, ce sera pas tout de suite, hein, parce que j'ai un autre jeu à faire en partie. Un jeu culte, voilà, je trouve que c'est un jeu culte fait par HeroWare. Je dis pas leur combien thème de jeu c'était, enfin c'est vrai, je galère, quoique je disais qu'il était plus court, mais j'ai mis quand même 4 minutes 47, je sais plus combien de minutes j'ai mis pour l'autre. Bon bah B, on peut dire que c'est soutenable, c'est bien. Ça me donne envie de continuer, quoi. Oh voilà, là c'est le boss final. Donc voilà, en 24 minutes, voilà, on est déjà au boss final. C'est pour ça que je fais souvent quand même des jeux pas très longs en vidéo partie. Par contre, pour Rayman, j'ai un peu abandonné. Faudrait que je retrouve le disque. J'ai perdu le disque, en fait.
de Rayman. Je suis rendu à la partie 5, je m'en souviens très bien. Voilà, j'ai fini. Je suis rendu à la partie 6, voilà plutôt. Voilà, Sonic se la pète. Les confrontations finales entre les deux hérissons. Qui gagnera? Ça sera su dans le prochain épisode. Non, on continue. Et puis, non, sinon, pour Rayman, ouais, je trouve plus le CD. Bon, même si je le faisais sur l'ordi, là, je pourrais continuer, mais... Je sais pas, j'ai plus envie de le faire sur la PlayStation. Je trouve même plus mon CD. C'est con. Je l'ai perdu. Faudrait que je le retrouve pour pouvoir faire des parties, mais en mot de passe. Parce que j'ai pas de carte mémoire. Bon, je me suis dit qu'en mot de passe c'est mieux parce que bon, c'est un peu lourd en sauvegarde parce que en fait on récupère jamais après nos vies, donc on va manquer de vie et tout. Enfin, moi je me disais qu'avec les sauvegardes ce serait plus simple, mais ouais, finalement j'ai l'impression que c'est plus dur. Voilà, c'est le moment de récupérer pas mal de vie, je pense, avec tous les anneaux. Surtout que sur l'ordi je peux pas faire beaucoup de vidéos parce que là, chez moi c'est dans le salon, donc je suis pas souvent tranquille tout seul, donc voilà, il y a souvent du bruit et des mouvements, et donc franchement les vidéos que j'ai faites sur PC la plupart du temps c'est quand il y avait vraiment personne. C'est pour ça que je fais beaucoup plus de vidéos sur GameCube, c'est plus simple pour moi. Faire gaffe à Shadow. Et puis même, je sais pas pourquoi, mais je retrouvais pas la magie de Rayman là sur l'ordi, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Puis bon, même les vidéos ont tellement peu de vues, ces vidéos là, que c'est pas si grave que ça si les vidéos parties de Rayman ne se terminent pas. Personne ne les demande, c'est pas comme Rome Total War. Ça, Rome Total War, ça faudrait continuer, mais le problème c'est que Fireflav, je sais pas, il a un problème avec son jeu. Je peux plus le faire tourner. Bizarre. C'est étrange parce que c'est pour, il a toujours le même PC. Je ne comprends pas. Ah, je sais, il s'est énervé sur le disque parce qu'il a perdu contre des Gaulois et il avait des Romains. Par contre là, j'arrive jamais à le toucher ce boss. Ça peut vraiment s'éterniser, hein, le genre de boss. Il faut que j'avance pas très vite. Je fais exprès de pas trop avancer, comme ça il va lancer son attaque et comme ça il sera vulnérable. Hein, s'il veut lancer son attaque. Bon, tant pis. Ah, je voulais pas faire ça pour le freestyle. Okay, c'était un peu n'importe quoi et en plus il y a les plateformes derrière qui... tombe. Je vais complètement louper. Bah, décidément le spin dash c'est pas mon truc. Ah purée, j'ai cru que j'allais l'avoir. C'est quoi son... Attends, vous avez vu le réflexe? C'est pas possible, c'est pas un humain. Enfin, c'est un ordinateur donc c'est un peu logique. Sinon, pour les vidéos sur des jeux de PS2, bah, on vous l'a déjà dit, mais on peut pas en faire beaucoup parce que, bien sûr, on n'a pas beaucoup de jeux de PS2. Nous, principalement, c'est des jeux de Nintendo, parce que Fireflav, lui, bah, sur PS3, il a pas grand-chose, et sur PS2 non plus. Et puis sur Wii, il a Wii Sport, le truc classique. Fireflav, c'est un PCiste. Hein. Si
connais en carte graphique et tout. Le campagnard PCiste. Oh purée. C'est bien, ça fait passer le temps de dire des conneries. Ah, vous voyez aussi quand on se met en mode roulade, bah Shadow est repoussé même s'il nous fonce dessus. C'est comme si on sautait. En fait, faut pas trop foncer, faut aller tranquillement. Il faut faire un petit saut. Voilà. Non, j'ai loupé. Mais il me saoule. En fait, il va trop vite là. D'un coup. Il va super vite. Bon, en fait, la technique, c'est ce que je faisais contre Shadow avant. Contre Sonic avant. C'est de le laisser attaquer. Voilà. Et voilà. Le contrer. Et c'est beaucoup plus simple comme ça. Putain, 5 minutes 26, finalement, c'est pas trop mon jour de chance. Donc voilà, je peux pas faire beaucoup de vidéos voilà, sur PC, donc pour les Rayman, ça va être dans longtemps. Peut-être jamais. Ah, et puis j'étais à moitié bloqué contre un boss à 2 balles, parce que sérieusement, j'ai refait la partie 6, 2 fois, et à chaque fois, je me plantais plein de fois contre le boss et j'avais pas envie de vous mettre ça. Je perdais, j'avais 10 vies, je crois, et puis je perdais genre 5 vies. Ça fait chier. Ce boss est vraiment, mais c'est au poil de cul qu'il faut l'avoir. C'est un boss ultra hard. Enfin, surtout quand il balance ses lasers là. Quand il est derrière la machine à laver. C'est vraiment n'importe quoi. Enfin, c'est du Rayman tout craché quoi. Voilà le petit signe de Sonic. La classe. Et ça veut dire qu'on a fini le jeu. Enfin, fini l'équipe héros. Bon, j'espère qu'on peut passer par contre le générique. Non, on peut pas. Ça me fait chier. J'ai pas trop envie de vous laisser le générique. Parce que j'avais envie de continuer la vidéo là. Donc, je vais faire reset. Ah, la technique du reset, c'est toujours. Quelque chose de bien. Et voilà, last. Ça veut dire dernier. C'est le dernier truc, c'est le dernier mode histoire. Attention, c'est le stress, mes amis. Bon, par contre, c'est bizarre, il m'a pas choisi certaines séquences. D'habitude, ça fait ça au début. C'est-à-dire que j'ai jamais fait sur cette sauvegarde. Bon. Ouais, cette dernière séquence est assez longue quand même. C'est une espèce de autre mode histoire, oui. En effet. Bon, ici, il est quand même moins long que les deux autres modes d'histoire. Là, je pense qu'on va le faire peut-être en une partie. Ouais, le retour de Rouge. Décidément, elle est partout. Ils ont vraiment mis ce nouveau personnage en avant. Voilà, c'est quand ils vont capituler avec avec Dr. Eggman, les grands méchants. C'est parce que il y a le père de ou le grand-père, je sais même plus. Le père, je crois, de Dr. Eggman qui avait construit une bombe et là, je sais pas, ils ont mis toutes les Chaos Emeralds dans un espèce de générateur et à cause de ça, ça va faire exploser la bombe dans 23 heures, je crois que c'est oui. Dans une journée. Ah non, c'est pas une bombe, je suis con. Non, c'est une météorite en fait. Enfin, c'est le truc qui avance comme une météorite sur la Terre. Vraiment pas mal quand même ces cutscenes. Pour l'époque, c'était quand même pas mal.
Ah, j'ai parlé aussi de que je ferai des vidéos parties de Prince of Persia également. Bah, sérieusement, j'en ai commencé deux parties. Et bah, je les mettrai en ligne que quand ce sera fini, comme pour les Beyond Good and Evil. Parce que j'ai pas trop envie de m'éterniser comme pour Rayman ou comme aussi pour Sonic d'ailleurs. Parce que pour Sonic, là, j'ai. Ça fait un moment que j'en ai pas posté des vidéos parties de Sonic. C'est-à-dire qu'avec les vidéos découvertes, les vidéos tests, c'est-à-dire qu'après, et aussi les montages pour mes top 10. D'ailleurs, là, j'ai même pas encore commencé mon top 10 de la Wii. Le montage. J'avais dit que je la posterais fin août, mais bon. Oui, je la posterais fin août, mais ça va être assez. Parce que le top 10 de GameCube, je me souviens, c'est demandé beaucoup de travail, le montage. Bon, sauf pour Zelda, bien sûr. Parce que j'ai pris l'intro du jeu. D'ailleurs, là aussi, je vais prendre l'intro du jeu Zelda Skyward Sword. Que je l'ai mis dans mon top 10. Bon voilà, bah là en fait surtout on va assister à des cutscenes. Mais les cutscenes franchement elles durent 5 minutes même plus. Donc je sais pas si ça va être si intéressant que ça pour vous. Le projet Shadow. Hey, parce que c'est lui qui a créé Shadow aussi. L'être. Bah, le petit hérisson que vous avez vu avant. Le gars qui connaît pas Shadow, je pense que. C'est-à-dire qu'il connaît pas Sonic également. C'est pas possible. Oh, vous avez vu le magnifique reflet sur les vêtements de Dr. Eggman. C'est. Ah, c'est le commencement. En tout cas, je trouve que Dr. Eggman n'est pas si moche que ça au niveau de la modélisation. C'est du même niveau que les autres personnages. Contrairement à, vous avez vu dans Sonic Adventure DX. Enfin, je sais pas si vous avez bien vu parce que je filmais avec une caméra de merde. Eh bien, Dr. Eggman était très mal modélisé. Je sais pas pourquoi. Tu voyais Sonic, Tails et tous ses potes là qui sont plutôt bien modélisés comme là. Et il y a à côté Dr. Eggman qui ressemble à un personnage de la Nintendo 64. Toute l'explication incroyable. Dr. Eggman, c'est lui qui va nous dire quoi faire. Donc on va jouer avec tous les personnages là. Un niveau pour chaque personnage. Enfin, sauf Shadow je crois. Je sais plus si Shadow il a son propre niveau également. D'ailleurs on le voit pas ici. Je ne sais plus trop. Ça fait longtemps que j'ai plus fait ça. Ah, et là on est heureux, on se dit oh mais c'est le logo de Sonic. Je sens qu'on va jouer avec Sonic. Et ben en fait non, mauvaise surprise, on joue avec Tails. Ah, il y a une nouvelle fonctionnalité dans ce niveau-là. En tout cas, et ben, on peut arrêter le temps grâce à des purées, mais. Grâce à des espèces de sphères, on tire dessus et c'est bon, ça arrête le temps. Voilà, c'est phase de shoot. C'est vraiment vite fait, les phases de shoot quand même.
Et voilà, c'est ces boules là là que c'est se fait. On tapote dessus, mais on arrête le temps. Je vais descendre tranquillement parce que vaut mieux pas tomber. Je sais pas si vous faire ça en vrai. Je sais plus. J'arrive vite. C'était vraiment du freestyle total, je pense que c'était pas ça en vrai. Tomber comme ça. Ça me semble bizarre. Voilà, maintenant on peut passer tranquille en arrêtant le temps. Voilà, ça arrête en même temps les lasers. Donc c'est très pratique ce truc. Bon, je peux pas monter. Ah, il faut attendre que la plateforme descende là. Par contre, je déteste cette caméra. Bon, d'accord, en fait, le truc qui descend pas, c'est ici. On va aller sur cette plateforme pour aller ensuite sur celle-là. Et re-arrêter le temps. Et je crois que c'est la fin du niveau là d'ailleurs. Le niveau n'est vraiment pas long. Bon, on y va ou on y va pas là? Bon, allez, on y va. Oh purée, on peut pas en fait. Je crois qu'on se faisait juste toucher et qu'on pouvait transpercer les lasers, mais c'est pas grave. Voilà, on bourrine dessus. Enfin, attention aux ennemis. Voilà, c'est fait. Voilà, maintenant c'est au tour de Dr. Eggman, si je me souviens bien, de jouer. Voilà, vrai travail d'équipe, hein, attention. Allez, vous voyez que Dr. Eggman a une meilleure jauge de vie. Enfin, je vous l'ai déjà dit, je pense. Peut-être que Tails aussi, il a ce truc-là plus tard, mais je l'ai pas trouvé. Bon, voilà, ça c'est des trucs pour les KO, mais on s'en fout un peu. Une espèce de tube. Alors ceux-là ils sont un peu chiants parce qu'ils se rentrent comme des tortues. Ils rentrent leur tête comme des tortues. Ils sont un peu relous. La classe à la James Bond. Avoir deux ennemis en même temps comme ça. Ah, et aussi en arrêtant le temps c'est plus facile de se faire les ennemis parce que surtout ceux qui se rentrent la tête. Purée. Ce que je fais, surtout ceux qui rentrent la tête, parce que si on peut les avoir n'importe quand, bon, c'est comme ça, on arrête le temps. Donc, voilà la petite phase de plateforme. Comme quoi, il n'y a pas que du shoot dans ces niveaux-là. Ah, ça qui est bien, c'est moitié plateforme, moitié shoot, mais bon. C'est quand même pas trop attiré, parce que bon, moi dans un Sonic, c'est pas ce que je recherche. On va arrêter le temps non-stop, hein. C'est comme ça que ça marche. Oh purée. Voilà, là je tombe complètement. C'est mode freestyle. Donc la distance d'affichage n'est fort pas impressionnante. Oh vite. Oh purée. C'est du freestyle total, là j'ai récupéré un kit de soins. Oui, parce que je me souvenais bien de ça, il y avait un kit de soins ici, donc c'est pour ça que j'ai bien touché le truc. Ah purée, quand on est sur la plateforme, on peut pas... Ah si. J'ai cru qu'en fait, quand on était sur la plateforme, on tombait ensuite. Enfin, je sais pas comment expliquer. Alors comment aller là-haut? Faut que j'attende que celle-là voilà monte un peu. Pour pouvoir aller ici et me faire le mur. Et voilà, c'est fini. Bah, c'est pas bien compliqué. Hein. C'est les niveaux avec Sonic qui sont plus complexes. Ah, et aussi avec Rouge et Knuckles. Alors faut faire quoi déjà ici? Ça va être un niveau à moitié labyrinthique. Ah ok. Carrément. Je savais même pas. Bon, ça nous emmène carrément à un trou ce truc là. Bon, bah, faut monter à ces machins là.
crois que le niveau de rouge n'est pas très compliqué, surtout celui de Knuckles. Il m'a posé des soucis au début. Franchement, quand tu connais pas, c'est quand même assez chaud. Ah purée, on est déjà à 45 minutes quand même. Ça passe vite. Et attendez, où je peux aller déjà? Ah oui, je m'en souviens, faut aller... voilà, ici. En arrêtant le temps, on peut vraiment aller où on veut. Purée. Alors, fallait attendre que... faut attendre le bon moment, là. Voilà, vraiment quand la plateforme vient juste de sortir. Pouvoir rentrer. Donc là c'est du bien joué. Je peux me faire les ennemis fastoche. Beau travail rouge. Vite active la commande de drain de liquide. Et drain le liquide. Et bon bah ça. C'est bon, on peut retourner. Vous voyez que le niveau avec rouge n'est pas très compliqué. Oh. Sauf avec ça, la cascade, on peut pas. Le courant est trop fort hein, pour rouge. On peut pas transpercer une cascade. Allez, d'accord, hein, carrément. On peut pas transpercer une cascade. Voilà, là, c'est. Voilà, là, ça va être le niveau de Knuckles. On attend un peu, cutscene encore. Il faut aimer les cutscenes dans le jeu. Ah voilà, Knuckles, tu m'entends-tu? Dernière porte de sécurité qui mène au centre droit se trouve devant toi. Trouve le bouton qui ouvre la porte. Alors là, faut aller dans l'eau. C'est pour ça que c'est compliqué avec Knuckles. C'est qu'il faut se grouiller. J'ai carrément une one-up, hein. Il nous donne carrément une one-up. Par contre, elle est où la bulle d'air? Ah. Ah, très important. Par contre, je ne trouve pas... En fait, c'est le même niveau qu'avec rouge, sauf que là, il y a le liquide. Par contre, je sais pas où aller. Allez. Ah putain, non. Vous voyez, là, je suis déjà presque dead. Si je ne trouve pas des bulles d'air, je suis foutu. Bon, bah, je suis foutu. Mais quand même, c'est difficile. Voilà. C'est le niveau qui m'a posé le plus de soucis. Bon, on va tout en bas, on s'en fout, on n'arrête pas le temps. Trop compliqué. Ça prend trop de temps. Surtout que là, faut se grouiller, hein, on est dans la flotte. Ah purée, j'ai fait au mauvais moment. Ah, c'est horrible ça. Les anneaux qui tombent dans la... dans l'espèce de liquide vert. Mais non. Alors, par contre, la maniabilité dans l'eau, c'est pas terrible. Je suis sur B et tout, mais... c'est un peu dur de doser. Ah, c'est les niveaux, franchement, qui posent problème. Puis on voit rien du tout. Oh non. Oh, je suis obligé d'attendre encore une fois. Allez. Ah purée, mais c'est impossible. Bon, c'est pas grave. On va ressortir. C'est pas possible, les secondes elles vont super vite. Encore plus vite que des secondes, des vraies secondes. Bon bah. Putain, vous vous souvenez pas que quand même. Si ça se trouve, je prends le mauvais passage en fait. Ouais, parce que là on va vraiment dans le même passage que rouge. Allez vite. Oh purée, là c'est bon pour une fois. Ah non, quoique, ah, de justesse. Donc là j'espère qu'il y a des bulles d'air. Purée. Il n'y a jamais de bulles d'air ici. Bon, d'accord. Ah non mais, je vois pas de bulles d'air, c'est énorme. Il n'y en a jamais. Si ça se trouve c'est pas là. Ah non, c'est pas là, bon on va ailleurs. Ah mais non, bah si c'est là, il n'y a que cette porte.
qu'il y a un truc à faire ici, j'en sais rien, mais non. Là, il n'y avait rien à faire. Ouais, faut vraiment aller en bas. Vraiment au poil de cul. Au pixel près. Vraiment aller super vite. Surtout qu'il met 3 plombs à nager. Bon, ça c'est bon. Oh, pour une fois. Alors, qu'est-ce que je dois faire là? Je ne comprends pas. Je dois aller où là? Ok. Je ne comprends pas. Bon, attends, j'ai peut-être une petite idée derrière la tête. Ces barreaux là, peut-être que ça les enlève quand on arrête le temps. Je sais même pas où il est. Voilà. Mais je vois rien. Ah si. Ils sont pas arrêtés, ça enlève pas ces espèces de trucs. Faire comment? Voilà, le niveau qui me pose problème. Je savais pas que ça allait, que j'allais être complètement bloqué comme ça. C'est vraiment le niveau le plus chiant quoi, le plus relou. Je sais pas, faut arrêter le temps, faut faire quoi? Faut mettre un interrupteur là. Ah non, là c'était pour avoir la vie, mais bon, elle est plus là la vie. Voilà, il y a des bulles d'air, mais bon, ça ne sert pas à grand chose. Il y a un ennemi à deux balles qui me tire dessus. Après, il me reste 0 vie. Ouais, je sais pas, on revient là. Non, je pense que c'est si, c'est ça, c'est. Voilà ici. J'ai failli purée, mais c'est quoi cette caméra de merde? Est-ce qu'on peut passer au travers ici? J'en sais rien. Ah, mais ok, bah c'est impossible. Oh non, c'est pas ici, il n'y a pas de passage, il n'y a rien du tout. D'accord, carrément le menu. Oui, on n'a plus de vie en même temps. Bon, je pense qu'on recommence là où on était. Hein. S'ils sont pas lourds. Bah si, on recommence là haut. D'accord. Oh non. C'est quoi ça? Pourquoi c'est normal là? Ok, en même temps j'ai jamais eu de game over dans ce jeu là. Donc, la première fois. D'ailleurs, il n'y a pas marqué game over. Purine. Voilà, on descend, on met 3 plombs à descendre, purée, je déteste ce niveau. Il est trop facile, il est chiant. Il sert à rien du tout, quoi. C'est le niveau qu'il fallait pas mettre à la fin. Bon, là, je vais descendre vite fait, hein, comme on a fait avant. Là, on balance le truc là, et c'est bon, on rentre. Mais c'est quoi ce bug? Attends, mais il m'avait pas attaqué direct avant. D'accord. C'est bon, là c'est parti pour la malchance. Je me disais que la chance ne va pas tourner jusqu'au bout. Cet ennemi de merde, mais c'était inesquivable. Impossible. Impossible. En fait, c'est avec la chance qu'on peut rentrer. On peut pas se faire toucher. Cette plateforme qui met 3 plombs à descendre, par contre, ça commence à être un peu lourd. C'est vraiment des niveaux chiants dans Sonic. Il symbolise un peu les niveaux du loup-garou dans Sonic Unleashed. C'est un peu vite, oui, bah cette fois-ci il m'a pas attaqué direct, donc voilà, c'était. Juste parce que j'avais pas de bol. Voilà, je suis passé de justesse. On va par là, purée. Ah non, d'accord.
On va attendre que la plateforme descende. Mettre trois plombs à descendre. Et c'est bon. Ce que je trouve bizarre dans les Sonic, c'est que souvent, je l'ai peut-être déjà dit, c'est que souvent les Sonic c'est rapide, mais à côté de ça, les plateformes elles mettent 3 plombes à avancer. Il y a des plateformes movibles. Enfin, amovibles plutôt. Ok. Bon, alors faut avoir l'autre avec son bouclier là, dégage. Ah purée, on va voir cela. Bon. Toujours la deuxième fois où on joue moins bien. Puis on est obligé de refaire le niveau avec rouge et tout, purée. C'est lourd. Mais finalement, ça sert à quelque chose, Lévi. Enfin, c'est bizarre par contre que je pouvais pas choisir les séquences. Ça, je trouve ça bizarre. Je l'avais déjà fait sur cette carte mémoire pourtant. Là c'était la sauvegarde où je suis rendu plus loin quoi. J'ai plus d'emblèmes et tout donc je comprends pas pourquoi je pouvais pas choisir les niveaux que je voulais. Ouais, bizarre. Parce que vous savez, je pouvais choisir les séquences que je voulais dans le mode story. C'est comme ça que je pouvais faire une pause. On pouvait reprendre direct là où on était rendu. J'ai encore fait avoir. T'as vraiment quand il se fait toucher, il bouge pas. Non, je veux avoir la trousse de soin. Voilà. Bon, c'est quand qu'il crève là. Ben, cela c'est. Il n'est pas plus lourd que ses ennemis. Je crois qu'il monte vers le haut lui. Ouais c'est parfait. Petit bug de caméra mais c'est bon. Moi bon, pour le niveau avec Knuckles franchement je sais pas. Je suis allé dans le très. Je suis allé dans le mauvais chemin. Fallait pas aller dans cette porte. Alors là avec rouge on va aller vite fait. Enfin, c'est vrai, faut arrêter le temps. Donc faut monter, faut grimper ces colonnes pour pouvoir atteindre l'interrupteur si elle se décide à s'accrocher. Et là on descend vite fait. Ah j'ai vu une autre porte à gauche. Ce sera peut-être ça pour Knuckles. Purée. Oh purée, mais à chaque fois j'ai pas de bol au niveau de cette plateforme de merde. Ces cubes ils symbolisent la GameCube. En toute sa splendeur. Voilà, c'est bon. Par contre, heureusement qu'on n'a pas eu les queues de scène à se taper au début. Enfin, on peut les passer, donc c'est pas si grave que ça. Purée. Faut vraiment aller vite, là. Ah, mais non. Mais... La plateforme est super mal placée. J'ai envie d'aller sur le côté. Ah, bah non, mais là, il n'y a pas le temps. Donc j'utilise le bumper. Vite. Ah mais quelle technique, attends. Il y avait donc une porte à... Ah mais c'était cette porte là, peut-être qu'elle s'ouvre avec Knuckles. D'accord, je l'avais toujours pas vu. C'est super. Bon voilà, là, le courant monte. Je me demande où elle part après, rouge. Par contre. C'est-à-dire que Knuckles il est juste en haut. Purée, voilà, c'est. Non, y a aucune porte d'ouvert.
Non, faut aller là où il y a les barreaux, mais il faut désactiver ces trucs-là. Faut que je trouve un moyen de le désactiver. Je pense qu'il y a un interrupteur peut-être par là. Dans la commande qui actionne la porte de sécurité est située par ici. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est par là? Chérie. Ouais, ils sont lourds ces ennemis, ils sont lourds. D'accord, il y a un robot qui vient de nulle part. Je réfléchis. Où est cet interrupteur? Alors là, dans ça. Ah si, je sais. Oh purée, non, c'est hyper fourbe. Oh, qu'est-ce que c'est fourbe. En fait, faut arrêter le temps ici. Pour pouvoir transpercer les lasers. Vite. Et voilà, c'est là qu'on va trouver l'interrupteur. Oh bah voilà. En fait, ça servait à rien. Ce que je faisais avant, c'était n'importe quoi. Il faut toujours un moment où je fais n'importe quoi. Donc là, ça va être bon. On fait gaffe aux missiles à deux balles. Bon, l'ennemi est un peu con. Hein. Il est vigleux. Il ne peut pas bouger, j'en sais rien. Ouais, on va activer ça. Ah, d'accord. Il y a l'air qui nous repousse là, donc il faut encore trouver un chronomètre. Des espèces de sphères, vous savez. Voilà, là. Ah, tiens, bah, c'est bien un chronomètre. Hein. On voit carrément une horloge. Les aiguilles. Ah, les petites particules. Oh purée, j'ai failli me faire repousser par le courant, encore une fois. Donc, alors, des bulles, des bulles. C'est quand même hard. C'est où qu'il y a des anneaux, par contre, là? Il y a des anneaux ici. Le problème, c'est que la maniabilité est tellement merdique. Faut que je reprenne l'air. Purée, mais quand je reprends de l'air, en fait, il retombe après. C'est un peu con. Bon, là, on fonce. Vite. Voilà. C'est quand même... Faut pas perdre une seconde. Franchement, c'était pas si difficile que ça finalement. Bon, autour de Sonic, Sonic the Hedgehog. Je pense que ça va être le dernier niveau. Après, on va se confronter contre un boss avec Shadow. Si je me souviens bien. Alors, on se fait cela. Ouais, ok. J'ai pas compris pourquoi il m'a fait une espèce de homing attack bugué. Je voulais viser l'ennemi mais j'ai pas réussi. Donc les vis, c'est très important. Je pense que c'est tout ce qu'il fallait faire pour ouvrir une porte, une connerie. Et là, je peux passer tranquille. Ah, et là, on est contre le courant. Il faut encore arrêter le temps. Ah, ils en abusent hein, de ça, les développeurs. Je pense que à ce niveau-là, il est vraiment pas long. Hein. Là, on doit être presque à la fin là, quand on va tomber. Ah, attends, je préfère aller là-haut, je sais pas pourquoi. Ah non, y a rien. On voit une espèce de tourbillon. Ah bah si, en fait, c'était mieux. Oh, le piège. Le piège de fourbe. Eh, je me souvenais qu'il y avait un piège ici, mais j'ai cru que c'était pas aussi tôt que ça. Bon bah, donc, voilà, il y a des pièges. Est-ce que je peux tourner la caméra tranquille? Oh bah.
C'est fermé, donc oui, il fallait bel et bien. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce bug? Purée, le bug du Omega Attack. J'espère qu'il va pas me le refaire. Il va pas me le refaire après, parce que là, j'ai zéro vie. Enfin, si jamais il me le refait, bah franchement, je coupe la vidéo et je reprendrai à ce niveau-là. Voilà, il me l'a parfait, c'est bien. Purée, c'est... Des fois des bugs de maniabilité, des fois de jouabilité comme ça, je sais pas d'où ça vient. On n'avait pas ça dans l'ancien Sonic, Sonic Adventure DX. Donc je sais pas. Bon voilà, fallait aller de l'autre côté. Bon, il nous dit qu'on aura dû faire quelque chose, mais bon. Ouais, fallait peut-être faire quelque chose avant, oui, c'était un piège, normalement on n'aurait pas dû faire ça, mais bon, c'est ce que j'ai fait à chaque fois. En tout cas dans ce niveau. Bon, on va bientôt se confronter au boss. Voilà. Goal 7 minutes 28. Bon, je pense qu'on va avoir un magnifique E. Là, je le sens. Je sens le E venir, bah voilà. En effet, il est venu, il est magnifique ce. Bon, là, on est vraiment à la fin du jeu. Il manque plus que deux boss. Qu'on va combattre direct. Ah, mais en même temps, j'ai envie de passer les cinématiques, ça devient saoulant. De toute façon, je pense que si jamais je perds contre le boss, et ben on recommencera au boss parce que j'ai fini le niveau là. Donc ça signifie que les vies, voilà, ça ne nous gênera plus. C'est beau ce qu'il dit quand même. Enfin, c'est bizarre d'avoir des phrases comme ça dans un Sonic. Bon, le passé de Shadow, on l'a maintes et maintes fois revu. Ben, nous le remontons encore. On dirait une poupée Barbie. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, voilà, ça doit. On est parti pour le boss bientôt là. minutes 27. Ah mais non, c'est pas une journée, c'est pas 24 heures, c'est 24 minutes je crois. What's that? It looks just like the shrine of the Master Emerald. Ouais, en effet la météorite va quand même assez vite hein. Enfin plutôt le satellite météorite. Encore l'une de ses créations, là on va combattre un ver géant, voilà. Je sais pas ce que ça fout là. Et voilà, on va combattre le boss avec Shadow. Ça sauvegarde beaucoup quand même.
Sauf par contre pendant le niveau qui durait 10 minutes. Alors 7 minutes 30. The Bio Lizard. Oh, ils ont vraiment fait un nom de psychopathe. Hein. Voilà. Ce boss, en fait, faut l'avoir sur son dos. Faut faire un homing attack sur son dos. Et surtout pas tomber sur ses conneries. Sur l'eau, sinon on crève. On est emporté par le courant et voilà. La fin du monde! La musique est vraiment spéciale aussi. Attendez, là c'est. C'est pas si facile que ça. Il faut se concentrer à sauter ou faire des roulades. Ah purée, oh la chance! J'ai fait un peu en mode freestyle, mais bon. Voilà. Comme quoi, savoir foncer sur un rail, c'est très important. Là, je vais faire gaffe à la petite cascade. Et voilà. Cascade, qu'est-ce que je raconte? Enfin, la rivière plutôt, ou. Au liquide. Liquide jaune. Très étrange comme couleur. Voilà l'esquive. Oula, mais qu'est-ce qui se passe là? Ok, j'ai rien compris. Purée, il y a encore les genres de bugs qui arrivent que quand on fait une vidéo. Voilà, faut y aller tranquillement. Et comme ça, tout se passera bien. Ce boss n'est pas bien long. Enfin, pas bien long. C'est le plus long boss du jeu, je pense. Mais... Oh purée, j'ai failli me faire emporter par le courant. En fait, c'est ça qui est stressant contre ce boss, c'est de tomber voilà dans une espèce de fleuve. Allez, tire tes trucs. Oh purée, mais je les esquive pourtant, j'ai sauté par-dessus. Je comprends pas. Ah voilà, là il va faire ses bulles. Alors, on sait pas trop ce que c'est, mais bon. Ce sont des globules rouges. Alors, faut mieux pas trop aller vite, encore une fois. Là. Voilà. On ne sait quand qu'il s'arrête là, parce que. Concentration du grand Shadow. Purée, mais. C'est pareil, je récupère tous mes anneaux, ça va. C'est n'importe quoi. Bon voilà, il va encore faire ses bulles là, de savon. Alors, on fait gaffe à celles qui se transforment, enfin qui deviennent blanches. Parce que quand elles deviennent blanches, elles nous foncent dessus. Ah, et là c'est la dernière phase. Il était plus rapide que prévu en fait ce boss. Voilà, là c'est très facile, il faut juste foncer, il ne faut pas se faire toucher par les bulles. Donc voilà, boss vaincu et avec honneur, je l'ai battu mais de largement. Pourtant c'est pas un boss si facile que ça. Si on était noté contre les boss, là j'aurais que eu DA. Bon, là vous savez, je pense. Quand il y a les 7 émeraudes du chaos à côté de Sonic, Sonic se transforme en Super Saiyan. Et là, ça va être vraiment le dernier boss. Là, ça va être en fait le même, mais sauf qu'il va être sur le satellite. Donc on va être dans l'espace. Mon dieu, ces effets de lumière! Incroyable. Voilà, il est téléporté sur le satellite.
It's still on a crash course to Earth. Il contrôle, oui. Il contrôle pas trop, hein. Il est plutôt dans la merde. Hein. Il va se scratcher. Il va se scratcher avec le satellite. La gueule. Ok. Ah, c'est une idée brillante. Hein. Se transformer en super guerrier de l'espace. Pour pouvoir combattre dans l'espace, bien sûr. La concentration. Ah, là, c'est Sangoku et Vegeta. Hein. Magnifique transformation. Au moins on y go. On y go pour le boss final. Voilà, The Terminator, fin finale. The Final Hazard. Le lézard ultime. Ah oui, aussi on a 49 anneaux, enfin 50 anneaux. Et on doit aller vite fait toucher ces boursouflures avant qu'on ait plus d'anneaux. Sinon, bah bien sûr, on n'est plus en supersonique et on tombe comme une merde. Donc c'est la fin. Donc s'il nous touche, en fait, on perd pas d'anneaux. On perd juste du temps. Là, vous voyez, c'est facile, mais après, ça va être plus compliqué. Et A, c'est pour aller vers le haut et B, pour aller vers le bas. Et en faisant les deux, on va plus vite. Sans les deux comme ça, faut un peu tapoter sur A et B. En avançant bien sûr avec le stick directionnel, en s'orientant. Pour esquiver les attaques. Voilà. En attendant, vous avez la magnifique musique de Live and Learn. Le thème principal purée de ce jeu-là. Il faut surtout se grouiller parce que... Au bout d'un moment, ces boursouflures vont changer de place. Voilà, là je l'ai eu. Ah, mais à la fin, il est vraiment pas facile. Déjà que là, ça commence à être compliqué. C'est un boss rapide à tuer, mais... c'est tu crèves ou... et tu réussis, quoi. Ah bah là, là j'ai vraiment géré. Bon, plus que le dernier coup... Franchement, si je me plante, je rigole. Parce que là, franchement, on est vraiment pas loin de la fin. Voilà, j'ai fait gaffe au rayon laser, parce que si j'avais attaqué la boursouflure avant, je me ferais toucher par le rayon laser. Donc voilà, il y a des fois, je joue comme une merde, mais il y a des fois, respect. Donc voilà, on a détruit le lézard, qui ressemble plutôt à une larve, fusion entre larve et... Et qu'est-ce que je disais déjà? Et vert. Voilà, c'est épique. Ouais, puis après on va se quitter pour les vidéos de Sonic. Hein. La prochaine vidéo partie de Sonic, ça sera pour Sonic Hero. Et sinon, pour Sonic Colors, je ferai plutôt juste un vidéo test. J'ai pas trop envie de faire le jeu en entier. Voilà, une fin avec plein d'émotions et Shadow qui disparaît. Et oui, il y a des émotions hein, dans Sonic. Le premier jeu de Sonic où... il y a une véritable histoire en fait. Vraiment celui d'avant aussi, hein, Sonic Adventure DX. Ça commençait déjà. Bon par contre, ça fait vieillot par contre les images de synthèse là.
Enfin, je trouve que ça rend assez bien pour ce Sonic et ses amis, mais quand c'est sur les habitants de la Terre, là, ça a pris un sacré coup de vieux. Ah bah voilà, c'est la fin. Bah sur ce, je vous dis à l'arbre pour de nouvelles aventures. Je vous laisse la fin et on se retrouve pour de nouvelles aventures, voilà. Shadow the Hedgehog. I guess you're right. What I do know is we all did it together. You're right. So what's next for you, Rouge? Off again to find those jewels you love so much? Nah, I think I'm gonna give up this line of work. Too much work for too little pay. Anyway, I've got something better than jewels that I'm thinking about right now. It'll all work out, you'll see. If you say so. Create the ultimate life form. What's the matter, Sonic? Oh, it's nothing. Come on, let's go home. Dude, the planet is cool and blue as me. Thank you.